Salut à tous, vous êtes sur Gamelove aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker. Une vidéo où aujourd'hui je teste vos créations. Donc tout d'abord, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir proposé vos niveaux dans les commentaires de la vidéo YouTube ainsi que sur notre site gamelove.com, puisque c'est pas moins de 10 niveaux qui m'attendent. J'espère que vous n'avez pas été trop salaud avec moi. On va voir en tout cas si vous avez une vraie âme de créateur. Et on commence tout de suite avec le niveau et la création de Vico. C'est parti! Donc voilà, Vico, nous voici sur ton stage. C'est parti. Bon, déjà, le titre me plaît pas trop. Je vois qu'il y a trampoline dedans. Ça commence bien. J'ai bien fait de choisir ta vidéo en premier. Histoire de bien me mettre dedans en rageant. Allez. C'est quoi ce vieux Mario dégueulasse? Ouais. Ok. Pour le moment, tout va bien. Alors, je sais pas où c'est que t'as récupéré ce Mario, là, mais... C'est le Mario de la campagne. Bon, on va voir hein, lequel de vous tous a vraiment le don de faire des niveaux de taré. À savoir que vous retrouverez tous les niveaux des gens que je vais faire aujourd'hui dans la description de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais là, t'as craqué total. Bon, je vais me concentrer un peu plus. Allez, hop. Je suis pas sûr qu'il serve à grand-chose, ce champi. Ah ben voilà, un vrai Mario. Pourquoi c'était un champi chelou tout à l'heure? Pas le temps à perdre avec des pièces si je veux te montrer que j'ai du style. Putain, ça en fait les trampolines volants. Et merde, putain, ça commence. Comment tu veux que je passe tout ça, moi là? Ouais, je sais. Ah, mais j'étais pas mort. Il y a donc une espèce de passage secret. Une connerie comme ça. On va voir. Oh putain, c'est le bordel. Bonne idée d'avoir mis des pièges de ce style, en tout cas. Sa mère. Et là, je vais me mettre là, je vais me caler un petit moment. Hein? T'es sérieux, là? Je me suis transformé en trampoline. Je savais même pas que c'était possible de faire ça dans Mario. Je suis un trampoline. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et j'ai réussi. Bon, un niveau bien what the fuck. Mais sympa du coup. Tu m'auras montré que dans Mario, il est possible de se transformer en trampoline. Bon, très bien. Vico, pas mal. Mais bon, tu m'auras pas mis trop à l'épreuve là-dessus. Bon, après Vico, on change une seule lettre, on passe au niveau de Nico. C'est pour toi. Et voilà donc le niveau de Nico, qui a l'air assez long. Castlemania, c'est parti. Allez. Ça tremble plein pot. Jusque-là, tout va bien. Ouh. Et merde, ah oui, j'avais un champi, bien joué. Oh, ça rince. Pour le moment, ça peut aller. Putain de ça rince. Attends, non mais... Comment tu veux que je fasse, moi, là? Je suis obligé de me faire toucher. Il aurait fallu avoir la fleur. Oh bah tant pis. Il y a des idées en tout cas, c'est sympa de voir à quel point la communauté des créateurs font preuve d'ingéniosité pour se servir de tout ce qui est mis en place sur le logiciel de création quoi. Faut pas que je perde ma fleur. Magnifique! Faut pas que je perde cette putain de fleur. Et je l'ai perdue. Faut que je me dépêche d'aller les éclater direct les tortues en arrivant. Sinon, après, il y a les flammes qui me cassent les roues. Attention, je me planque. C'est parti. Voilà.
Et voilà. Oh bien. Oh merde. Faut passer d'une traite là. Voilà, ça va être pareil, il va falloir tracer. Ouh, j'ai fait le con. Putain, c'est chaud. Parfait. Ah, bien joué, là. La dernière chute de pierre. Il suffit de ralentir un chouïa. Et t'es mort. Jusqu'ici, tout se passe mal. Merde. Allez, plus qu'un carré. Non, je l'ai déjà ouvert. C'est rassurant de mettre quand même des champignons et des fleurs dans ton niveau, comme ça au moins on se dit pas qu'on est sur le point de crever à chaque moment où on va se faire toucher quoi. Oh putain, fais chier. Et merde. Oh, j'aime pas ces trucs là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Ah si? Champion du monde! Bon, deuxième niveau. Easy! Donc, on enchaîne et on enchaîne avec Chris Shovel. C'est parti, Chris. Chris Shovel, qui a un niveau qui s'appelle Suffering Meat Bros. Vous remarquez l'accent exceptionnel. Il a l'air court, avec plein de scies partout. On va voir ce que je peux faire. Allez, gaz. Putain, en plus, t'as mis du... Oh, mais Taras, tu vas sauter. En plus, t'as mis du temps. T'as mis que combien? En combien de temps? En 30 secondes, ouais, sympa. Ouh, il va me gaver, celui-là. Je le sens bien. Wouah, comme c'est chaud! Alors attends, déjà laisse-moi regarder ce qu'il faut faire après. Putain, faut se laisser glisser sur le bord pour sauter. T'es en marteau, Chris. C'est un coup à prendre, c'est un coup à prendre. Je vais le prendre. Sinon, c'est la console qui va prendre un coup. Putain, mais oh! Oh, mais là, ça va me faire péter un plomb. Pourquoi il veut plus sauter, cet abruti? Je serais curieux de savoir en combien de temps tu l'as fini une fois que. T'as fait le niveau, Chris. Putain, j'ai toujours pas passé le premier mur, quoi. Ah, j'avais oublié cette petite vrille, là. Et là, c'est qui le patron? C'est bon, j'ai tout capté, Chris. Je vais niquer ton niveau. C'est quand même chaud. Non! Et là! Allez. Oh putain, mais t'as abusé! Oh putain, quel connard! Je ne parle pas de toi non plus, Chris. Je me suis mis le défi de finir les 10 niveaux pour vous montrer que. Oh, chez Gamelove, on rigole pas, quand même. Putain, il est chaud celui-là. Et là. Quoi? Quoi? Oh putain, j'étais chaud là. Non, pourquoi je fais cette vrille là? Putain! Bon, Chris, t'es le mec que je déteste le plus à l'heure actuelle sur cette planète. Vraiment. Oh non, j'ai fait de la merde! Après, il faut que je me mine de monter.
Wow, je suis près du but, putain. Nouveauté. Le Candelabro Dead. Et là, c'est qui le patron, Chris? Non mais oh. Fouah, comme il m'a fait galérer ton niveau, sans déconner. Bon, et ben, troisième niveau, j'en ai déjà chié une belle. J'espère que les autres seront plus cool quand même, parce que, fouah. Mais ouais, franchement, belle réalisation, y a pas à chier. Hein. C'est tout dans le timing, au poil de cul. C'est vrai que je me balade. Sinon, ça aurait été plus dur. Et bon, et bah du coup, cette fois, on enchaîne avec le niveau de Bombs. Sans déconner, les gars, avec vos pseudos, là, faites quelque chose, hein, parce que j'ai l'air d'un con, moi, quand je parle de vous sur les vidéos. Allez, Bombs, on va voir ce que tu sais faire. Angel Island Cave. Et ben, on y va, hein. Sonic, carrément. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'énorme fleur? Ah d'accord, mais en fait, tu te fais plomber le cul en Sonic, tu redeviens Mario, quoi. Je vois que Monsieur Bombs est un adepte du 8 bits. Là, il va falloir accélérer comme un porc. Wouah, abusé. Là. Ouais, mais attends, si je saute à fond. Oh, ça a l'air relou, ton truc. C'est relou, ton truc. Oh, mais quel con. Ça va, celui-là, il m'a pas trop fait chier encore de trampoline. Mais c'est les autres, enfin, à mon avis. Ah bah, ça y est, il commence à me faire chier, le trapeau. Bien. Je suis toujours très content quand je réussis un saut en trampoline. Stop. Et voilà. Je savais qu'il fallait se faire toucher. Un champi. Bâtard! Non, ça non. Voilà, c'est franchement de la triche. Je suis dégoûté, putain. Eh, c'est pas fini. Après, il y a encore des sauts tout dégueulasses. Ouais. Putain, je peux le faire directement du premier saut. Pourquoi j'hésite? Oui, je suis allergique à ton niveau. Allez, hey, Sonic! Bien joué, Sonic! Là, je me fais paniquer la gueule. La classe de Sonic. Allez, on fait pas le mongol. Oh, mais là, t'as craqué, qu'est-ce qui... Voilà, faut juste... Ouh, toi, je vais... Pas te niquer. Calme-toi. Allez, Mario, c'est que des trampolines avec une touche de musique de toute ta race. Calme-toi, calme-toi, descends. Voilà, comme ça je suis tranquille. Plus de pression. Si c'est pas fini, je vomis. Pff, quel tocard. Eh ben, mon Bombs, réalisable, mais putain, casse-couille. Hein. Pff, sur les petits sauts, sur les... Ouais, c'est des détails, putain, mais... Je te barre. Alors, on enchaîne avec le niveau qui s'appelle Hot Fortress. Et là, le mec, il a carrément pas de pseudo. Son pseudo, c'est...
Donc on enchaîne avec le niveau 2. Pour jouer à Hot Fortress. C'est parti. Quand je vous dis que je passe vraiment pour un con à lire vos pseudos, c'est vérifié. C'est parti. Ok, ça commence vénère. J'ai un casque sur la tête. Merde. Calme-toi. Faut quoi que je fasse un saut de ouf ou... Saut de ouf. Ouh, j'ai pas vu ça. Ah mais c'est cool, j'ai mon casque. Wouah, 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 je vais le faire. Dégage. C'est cool ce petit cœur qui tombe du ciel. Oui, très beau saut. Et ben alors, qu'est-ce que c'était que ce niveau? C'est terminé déjà? Tu m'as pris pour un débutant là? Bon bah ça, c'est fait. Sympathique, ça va dans tous les sens. Je pense qu'il y a plusieurs façons de terminer ton niveau, puisque j'ai débuté, je suis allé tout de suite en haut, à mon avis, en bas, ça doit être aussi réalisable. T'aurais peut-être pas dû mettre cette carapace dès le début sur la tête de Mario, là, qui le protège de pas mal d'ennemis. Mais sinon, ouais, pas mal. Mais j'aime bien les niveaux comme ça, qui se réalisent d'un trait, ça ressemble plutôt au niveau qu'on peut trouver la plupart du temps dans les vrais Mario. J'aime bien. Et on enchaîne avec le niveau de Céline. Une fille, on va voir si elles sont plus douces dans les créations. On avait vu que les filles japonaises n'étaient pas du tout lors de la dernière vidéo. On va voir ce qu'il en est pour les filles françaises. Céline, c'est ton niveau. Ouh. Ouh, viens ici. Bien. Et allez. Alors, est-ce que je vais voir ce qui se passe là-haut? Allez, prenons des risques. Tout ça pour quoi? Tout ça pour un champi. Non, c'est pas normal, il y a autre chose. Ouais. J'ai bien fait de monter, tiens. Une vie, je sais pas pourquoi. Non! Non! Pas la peine de monter là-haut. On sait qu'il y a rien. Là, on sent. Là, je prends mon cœur. Putain, à chaque fois que je prends un cœur, je perds aussi sec. Comme un con. Peut-être passer par en bas, du coup, là. Vu que je suis tout petit. Allez. Mais que... Oh là là, mais qu'est-ce que je suis nul. Ouais, mais pas plus bon. Oh, que c'est relou. Putain, on peut pas passer par en haut. Je vais où là? Je tape un saut, le saut de ma life. Et là. Putain, c'est chiant quand on voit pas les plateformes. Mmh, Céline! J'ai vu que ça servait à rien d'aller en haut. Je vais d'abord dégommer tous ces ennemis et je récupérerai le cœur. Mais quel con! Mais quel con! Bien joué ça! Bien joué! On est obligé de se faire toucher pour pouvoir tracer. Putain, c'est bien joué ça! Voilà, j'ai dit que j'allais directement en dessous. Oh putain! Mais sans déconner! Oh, oh, oh. Non, putain de merde! C'est bien joué quand même! Franchement, j'ai l'impression de jouer à des vrais Mario. On retrouve vraiment l'univers. L'univers Mario relou. Alors là, je me ferai pas baiser. Voilà, merci. Là, je vais faire gaffe parce que du coup, je vois pas ce qu'il y a en haut. Je suis sûr que je vais aller là-bas, il va y avoir un putain d'ennemi dans la boîte. Mais je suis trop curieux. Je tente le coup.
Non. J'étais mauvaise langue, je m'attendais à toute la fourberie des fans dans cette boîte. Ça avance pas. Oh putain, je vais me faire cramer le chien. Non. Et un boss. Il saute lui ou pas? Allez hop. Bim! Terminé! Merci Céline. Si vous voulez refaire les niveaux proposés dans la vidéo, n'hésitez pas à les voir dans la description. Ils y seront tous. Allez, on enchaîne avec le niveau de Pierre. Pierre Palot, c'est ton niveau. Spinny Pipe, qui a l'air assez court, mais je me méfie beaucoup des niveaux courts, comme celui de... C'était lequel? C'était Chris, comme celui de Chris, ouais, qui m'a particulièrement cassé les couilles. Alors, je suppose que si je fais ça... Oh, c'est ça qu'il fallait faire. Ça commence chaud chaud. Oh putain. C'est cool les niveaux où il y a plusieurs passages. Franchement, c'est bien joué de votre part. Et ça, c'est mal joué de la mienne. Attendre un peu. Un peu plus. Ouais, putain, j'étais... Oh putain, mais quel con. Eh ben, ça va vite. Quoi? Il est où, lui? Oh putain, j'avais oublié. Non, ça, je le prends pas. Ça, je m'arrête une case avant. Tac. Perfect. Ah ouais, ça c'est la bonne idée. C'est impossible, c'est par le haut qu'il faut passer donc. Rien à secouer. Des trampolines. Allez, oh putain, le... Salopard. Oh, 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 oh. Putain, non, pas comme ça, pas comme ça. Mais c'est cette connerie là qui lâche des pics. Putain, j'avais pas fait gaffe. Voilà! C'est plutôt rare que j'arrive ici avec ma grande taille. Allez, allez. Oh non, ça c'est dégueulasse. Oh! Je vais essayer d'aller récupérer la box à gauche, à gauche. Oh, c'est très bon ça. C'est con que je l'ai pas prise. Du coup, ça veut dire que je pourrais passer en bas. C'est peut-être bien le chemin à prendre. Allez, c'est parti, mon kiki. Et ça, c'est bon. Comment j'ai fait de la merde? On est plein le cul. Parfait, je suis même en mode grand Mario. Si je fais pas trop de la merde, comme ça, ça devrait pouvoir pas trop mal se passer. Bon, c'était le dernier ennemi à passer. Oh putain, il y en avait là. Oh putain, quel con. Voilà, entre les pics qui nous arrivent de partout, il faut juste être vigilant surtout. Il y en a vraiment partout, c'est le bordel. Putain de merde. Bon, il n'y a plus rien. Tadam ! Pas mal, très bon niveau. Pareil, pour y jouer, dans la description. On enchaîne avec le niveau de Nestor. C'est parti. Nestor, alors déjà, de là, je vois l'aperçu de ton niveau. J'ai pas envie de le faire. Putain, je sens qu'il va me faire du mal, celui-là. Oh, yo 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 yo. Bon, ça c'est vice l'arca. Putain non, faut passer par en bas. Je vais jamais réussir avec tous ces putains de trampolines. C'est typiquement le genre de niveau que je vais zapper. J'ai dit que j'allais réussir à tous les faire. Ah, j'ai bien le droit en zapper un sur la totalité, non? Non, 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 c'est juste infaisable ces conneries. À moins qu'il y ait un bloc planqué avec une... d'invisibilité. Je teste. Ah, des petites vrilles. J'ai oublié les vrilles. Je
Je le tiens. Putain, faut pas que je la fasse tard en avril, parce que sinon je me mange les piques. Faut pas que je la fasse trop tôt non plus, la pique. La pique. Pff, vous êtes en train de me faire vriller, je dis que de la merde. Ah mais putain, faut pas que je ralentisse. C'est tout en sprint. C'est ça, Nestor? C'est du sprint que tu veux? Ok. Je suis sûr que c'est ça. Il m'en reste combien après? Il m'en reste deux. Putain, si c'est chaud déjà à ce niveau-là, quand je vais avoir passé ça, je sais pas ce que ça me réserve. Depuis quand lui il vient me faire chier en haut là? Oh putain que j'étais bien parti. Ça se trouve c'est ça jusqu'à la fin, il y a 50 sauts. Bravo, bravo, bravo Nestor, ton niveau est vraiment casse-couille. Oh putain, et ces sons de cloche, je crois que je vais baisser le son, ça me rend fou. Il y en a combien? Combien tu en as mis? Mais t'es sérieux là? Nestor, ton niveau me fait chier. Oh là là là, comment c'est relou. Comment c'est relou. Ces trampolines de merde là. Je crois que celui-là, je vais le zapper. Hein. J'ai bien compris le principe, mon petit Nestor, mais... Je suis bien trop nul avec ces notes de musique qui font rebondir. Là. Je tiens le truc. Putain, je me voyais plus. Bon, bah c'est plus Chris que je déteste le plus au monde, c'est Nestor, ça y est. Allez, en avant. Non, mais j'arrête, là. Faut juste que je la prenne d'entrée. Pfff, oh, c'est taré, non mais oh. Mais merde, putain, j'ai cru que c'était une plateforme. Putain, c'est quoi ce son de... poney? Non, mais t'as vrillé total, là. Et là, c'est là que je prends le temps. J'éclate toute cette putain de fleur. Je passe ça, et là, je prends mon temps. Putain, mais qu'est-ce qui fait... C'est quoi ce son de merde? Les mecs, je suis sûr que dans pas longtemps, les gars qui créent ce genre de niveau, dans pas longtemps, ils vont finir dans des épisodes d'Esprit Criminel, quoi. Lâchez-moi! Non, mais non, c'est bon, j'arrête. Nestor, tu m'as fait péter un peu, c'est terminé. Stop. Mention spéciale à... un Nestor qui est un grand psychopathe, j'y arriverai pas. Du coup, j'enchaîne sur l'avant-dernier niveau qui n'est autre que celui de notre rédac chef, Mugi. Alors Mugi, franchement, si tu m'as pondu un truc aussi starbé que lui, je démissionne, j'arrête tout. Je quitte Game Love, c'est terminé. Donc Mugi, c'est ton niveau, le rédac chef de Game Love. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Monde Champitox facile. Allez. Ah putain! Je vous avouerai que ça me soulage vraiment beaucoup d'avoir arrêté ce putain de niveau de Nestor.
parce que là j'en pouvais plus. Ouh, ça va me faire chier. Putain, y'en a partout, par où on va? Pas par là. Ouah, ça me brille. Prenons les champis. Pff, non. Et les trampolines. Mais maintenant, c'est con, Mugi, parce que... Regarde, j'ai tout compris maintenant. Grâce à Nestor, je suis un roi du trampoline. Un ennemi? Non. 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 Ma bâtard. Non. Ah, mais elle est revenue. Je pensais qu'elle allait jamais revenir. Et bim, merci Mugi pour ce niveau assez facile, tu me déçois, tu me prends pour un loser là. Mais bon, je t'avouerai que derrière Nestor, j'apprécie ce genre de niveau, j'apprécie beaucoup. Et on va finir sur le tout dernier niveau que j'ai sélectionné, qui n'est autre qu'un niveau créé par notre ami Punky, dont vous pouvez voir les chroniques un mardi sur deux sur notre chaîne YouTube, appelée Hidden Games. Donc Punky, ton niveau, on va voir ce que ça donne. C'est parti, il a l'air court, j'espère qu'il est facile, je finirai sur une très bonne note. Alors. Oh le Vislar. Chaque fois je vais me faire baiser avec des conneries comme ça. Quoi. Ah bah c'est intéressant. Non, ne venez pas. Viens voir par là, toi. Quel connard. Maintenant que je suis grand, je peux tout défoncer. Faudrait juste pas que je me fasse défoncer par le... Pas. Ouh, ça pue la merde. Je suis concentré, Punky. Apparemment, tu aimes les plantes. Non, allez, c'est terminé. Merci, messieurs, pour cette vidéo. Au revoir. Et ben, Punky, voilà. Ouais, Punky reste bien dans l'esprit Mario. Hein. Il n'est pas dans l'esprit Nestor. N'hésitez pas à aller faire aussi les niveaux de Punky. Il y en a un petit paquet sur son compte. Et s'ils sont tout aussi sympas que celui-là, ça devrait le faire. Il est temps pour moi de terminer cette vidéo après avoir ragé un bon moment quand même sur les niveaux. Mention spéciale à Nestor, pour qui j'aurais pas fini le niveau, mais là, non, trop mal cul, quoi. Et puis aussi à Chris qui a fait un très bon niveau. Mais faut pas croire qu'on va vous laisser comme ça. Nous aussi, à GameLove, on a créé un niveau que vous trouverez dans la description. À vous d'essayer de le finir, je l'ai concocté spécialement pour vous. Il n'y a rien de transcendant, mais de quoi peut-être vous faire chier 5 minutes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo en nous donnant vos niveaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt sur GameLove. Ciao !